Yo les gars, c'est Nathan, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo. On va s'ouvrir un coffret des Racers d'élite. Bon, je l'ai un petit peu déjà ouvert parce que sinon ça aurait mis 3 ans avec l'opening et tout. Donc voilà le petit plastique. Et donc on va s'ouvrir cette magnifique boîte Evolution Paldea de Écarlate et Violette. Hop. Moi j'aime bien collectionner les coffrets d'élite. Donc c'est parti. Alors, pour le petit livre là-dedans, en vrai, on s'en fiche. Ah, on peut voir vite fait les cartes. Bon, déjà, ça, c'est la Pikachu qui est dans le coffret, je crois. Elle est magnifique. Puis, on a des petites cartes. En vrai, elles sont toutes belles. Donc, on va pas regarder plus que ça. Et on va directement ouvrir ça. Param. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Alors, bon, je crois qu'on va devoir enlever ça, malheureusement. On a les boosters. Normalement, il y en a 10, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comment ça, 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, il y a vraiment 9. Je vais regarder dans la boîte parce que d'habitude c'est 10. Ah non, 9 boosters. Ok, bah, ils nous ont un peu douillé. Les petites sleeves que je vais laisser dans la boîte. Le code que je vais pas vous donner parce que je suis un rat. Hop. Ah bah vous le voyez presque. La petite carte Pikachu qui est magnifique, que j'irai la sleeve juste après. Le pack d'énergie que je n'ouvre jamais, on va le laisser dans la boîte. Si jamais vous voyez le code, n'hésitez pas à le prendre. Il est un petit peu caché, vous le voyez. Bonne chance à vous. Ouais, ça fait que de tomber. On a des protecteurs comme ça. On a deux petits jetons, je sais pas ce que c'est. Poison et feu, j'imagine. Mais je sais pas à quoi ça sert, si c'est pour le TCG. Et on a des dés, voilà. Maintenant qu'on a fini avec tous ces trucs un peu relous. Attends, déjà... Les gars, je suis désolé, c'est vraiment long. Je suis un galérien, mais j'en bats les couilles. Je vais refermer la boîte avec tout à l'intérieur. Voilà, magnifique. Hop. Je vais juste récupérer le petit code. En vrai, je vais l'utiliser pour plus tard. Et on a enfin terminé. C'était long. 2 minutes d'intro, je suis désolé. Mais bon, c'est la vie d'Aloca. On va remettre le petit truc comme ça. Et on va remettre... le plastique, enfin pas le plastique mais le truc. Donc en gros j'ai juste récupéré les boosters et la carte promo. Allez allez allez. Hop. Ok parfait. Voilà, magnifique comme neuf. Et donc c'est parti pour les boosters. 2 minutes 30 d'intro, c'était un peu long, je suis désolé les refs, mais vas-y, c'est la vie loca. Hop, on va ouvrir au pif. C'est parti. Allez, oui, oui, c'est trop dur, j'arrive jamais. En plus j'ai pas d'ongles. Hop. D'ailleurs, j'ai ouvert 2 boosters il n'y a pas longtemps, random comme ça. Un booster à une station service, une station essence. J'ai eu une dresseur full art et j'ai eu à l'aéroport une petite ex. Voilà, je dis ça comme ça. Je ne sais plus c'est quoi le numéro, le classement, le truc. Donc, on va faire pour l'instant aucun truc. Pomme des pics, Maril. Attends, je vais les mettre comme ça. Maril. Ferro-singe, cas d'oiseau, oh, j'ouvre comme un zigag frérot, je suis désolé, c'est vipère, mais j'ai pas envie d'allumer les cartes, Nemelios, Luxio, la petite reverse méga canne, la deuxième reverse amulette bravos, et Lolo, ah bah y a pas besoin de faire de mélange, ok, au moins on sait, et les cartes je les remets comme ça, hop, ok on continue, j'aurais peut-être dû les trier, je trierai plus tard hors vidéo. Parce que si je commence à tout trier, vous allez péter un câble. Donc je trierai les rivers et tout hors vidéo. Hop. Je sais pas si c'est bien comme j'ouvre, mais on s'en les couilles. Attends, j'oublie les trucs. Le code. Hop. Ok. Attends, j'ouvre comme un zigzag. On a la même carte. Pomme de pique. Forgette. Ferro-singe. Cas d'oiseau. Amacelle, Bleuzeil, énergie de propulsion. Première reverse, c'est Vipère. Deuxième reverse, Floreclat. Et... Ordre du boss. Bon, je ne veux pas surréagir parce que bon, c'est Gétis, ça m'intéresse pas trop. Mais il est quand même BG, le petit Gétis. Donc, dinguerie. Je vais le mettre sous protection juste après, vous inquiétez pas. Hop, je vais pas l'abîmer. Je vais le laisser où? Non, je vais pas le laisser. Parce que des fois, il y a des gens, ils avancent la vidéo, ils se font spoil. Donc comme ça, personne ne se fera spoil. Faudra regarder la vidéo en entière pour voir tout ce que j'ai eu. Hop. En vrai, c'est déjà bien. Mais je pense que ça va être la seule ultra qu'on va avoir malheureusement. Et j'aurais préféré avoir machine ou...
ou je ne sais quoi, plutôt que ce vieux Gétis. Hop, le petit code. Et c'est parti, mon kiki. Méga canne. Attendez, il y a un, y a un truc sur mon tel, ça me casse un peu les couilles. Love Disc, Blazy, Passe Rouge. Oh, elle est trop belle. Énergie Lumineuse. Laisse tomber. Flamant Houle. La première reverse, on a Clavel. J'aimerais bien des cartes. Ah bah, il suffit de demander. Et on a eu Glévodeau. C'est la plus moche. Voilà. C'est la plus moche. C'est quoi ce truc? Hop. En ultra, on a une petite rive. Oh, Malvalam. C'est mon Pokémon préféré de la 9G. Clairement. Donc je suis très content. Et une énergie. Ok. Deuxième pack, franchement magnifique. Troisième, pardon. On continue. Pour l'instant, je suis déjà pas mal. Mais on veut toujours plus. Mais pour l'instant, ça me suffit. Même si, bon, le petit Gétis, voilà quoi. Bah, il m'a un peu saoulé quoi. Hop, et on commence avec un Paricool. Zapetrel. Chauchodil. Virovant. Combat au lait. What the fuck? Dogrino. Canarbello qui est horrible. Il n'est pas du tout bello. Premier reverse, on a Germéclat. En deuxième reverse, on a Luxie. Ok. Et on a un petit Tyranocif et une énergie base. Ok. Pas fou, pas fou. On continue. Attendez, lui, je vais le mettre là-bas. Hop. C'est parti pour le cinquième pack. Il nous en reste la moitié. Enfin, en fait, il nous en reste 4 parce que c'est des arnaqueurs. Au lieu de mettre 10 boosters, ils en mettent que 9. Et c'est parti avec le petit Voltorb. Clavel. Alors lui, si on l'aurait eu en ultra, laisse tomber. Un Solourdeau, Sonistrel, Tauros de Paldea, Floravol, Elige, magnifique. Charbonbin, ok. On a une autre holo, malheureusement. Et oh, une ex. Oh, Pikachu! Bah pour le coup, c'est super ça. Elle est super belle. Ok, petit Pikachu ex. Je suis très content. Ok, bah pour avoir une ex, franchement, on a eu la meilleure. Parce que les ex, c'est vraiment les pires cartes du monde entier. Après, ils ont voulu remettre les anciennes ex. Laisse tomber. Mais du coup, Pikachu, je suis très content. Hop. Et on continue. Charibari. Il nous reste combien de packs? Il nous reste 3. Cradopow. Pietassé. Gribourrègne. Sagoro. Farigiraffe. Diamat. Encore le même. On a malheureusement une autre. Oh, Albert, il est sympa. Et Forgelina. Ok, pack poubelle. Ouais, je parle trop. J'ai mal à la gorge. Hop. On continue. Nouveau pack. Hop. Let's go, baby. Et on a un petit Poussachat. Coiffeton. Charbonbin. Les boulets roux. Trépassable. Le petit Raichu. Cyderella. La première reverse Pietassé. Ah, malheureusement, une autre. Oh, j'ai cru que c'était un truc de fou. Mais en fait, c'était juste une holo. Luxray éclaté. Ok, on continue. Il nous reste 2 packs, les gars. C'est la Hesse. En vrai, je suis déjà satisfait. Franchement. Une magnifique Full Art. Bon, magnifique, c'est Gétis, mais bon. Avec un petit Pikachu ex, ça, c'est très bien. Un petit Malvolam holo. Franchement, c'est cool. Franchement, on va pas se plaindre. Hexadrone. Rondoudou. Girafarig. Là, c'est que du bonus si on a encore des trucs dans les 2 boosters. Mais je suis déjà très content. Mastourjon. Groucha, que j'aime beaucoup. Je trouve très stylé. Brésillon. Et une autre holo de Mimikyu éclatée. Aïe, 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 c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Plus que un booster. La finale. On croise les doigts. En vrai, j'espère qu'on va avoir une dingue. J'espère, j'espère. Hop. Et c'est parti. Allez, tête d'ampoule. Frigorodo, Rodomodo, Modo. Compagnole, Pietassé, Criododo, Brome, le pire mec du monde, Flambuzard, Criodo encore. Et what the fuck, c'est quoi ce truc? Une ex à la place de la reverse, Forgelina ex. Je sais pas si c'est une alternate, en tout cas magnifique. Et un Mona Flamingo derrière.
Ok, et je ne m'attendais pas à un truc de fou au dernier booster, mais je suis très content. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Hop, je vais enlever le setup et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a eu de beau. Mais du coup, voilà tout ce qu'on a eu. Bon, là, c'est mes sleeves, je vais les mettre après. On a eu ce petit Pikachu, les codes, Forgelina, le petit Gettys juste là, des cartes à l'envers, là. Ça, c'était Glevodo, Pikachu, et puis les autres cartes. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pensez au code créateur dans la boutique Fortnite, même s'il n'y a plus de code Fortnite.